Salut à tous, on se retrouve pour la suite du scénario de Risa du coup. Parce que c'est celui où on a le moins d'avancée, donc voilà. Donc là ouais, on était parti, on avait tué notre mère sans le vouloir, enfin. On a fait exprès mais elle était possédée, on savait pas que c'était notre mère. Et du coup Soma est pas très content. Parce que oui du coup elle nous a aussi pas donné la permission de. Dans la montagne d'essence de Mo. Et du coup, il faut combattre Soma. Alors là, bah, on voit l'ordre de combat, c'est un soldat, puis deux soldats, puis Soma. Donc c'est un peu casse-couille. Ça pète de tout repos. Sachant qu'ils attaquent assez vite. Merde, je me suis trompé, je voulais me soigner. Je vais me faire dégommer. Oh putain, je suis mort. Je suis mort. Et là, il va m'enchaîner et je suis mort. Tout ça parce que je me suis trompé, quoi. Voilà, là, vaut mieux recommencer. Putain. Tenter un truc, mais à mon avis, on est foutu. Oh yes. Bon. On va essayer de réparer nos conneries. Donc là je vous conseille de faire du level up si vous pouvez, parce que c'est pas si facile que ça. Ah, c'est un peu de la chance les attaques qu'il fait. Si on a de la chance, il fait pas d'attaque trop puissante. Merde. Ok, là ça va être. Ça va pas être la même. Ah mais ils sont de type... Bon ça va, ils font pas la même attaque. Alors est-ce que l'ordre des soldats change selon ce qu'on a choisi comme élément au début là? Je sais pas. C'est possible ouais. Si je fais ça, je pourrais pas le faire au combat d'après. On va donc bourriner. Putain j'ai pas d'attaque d'eau sérieux? Merde. Lui il peut le faire. Mal ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il a une griffe d'eau. Du coup, il les démonte un peu là. Ah, il leur fait super mal, c'est abusé. On va boriner. Ouais, voilà, super. On a peut-être dû faire un peu de level up, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, je t'attends. Je pense qu'on va, on va commencer par ça. Sérieux? Ah, on peut les cumuler hein, les power HP ou HP ou là. Le truc augmente l'attaque, on peut. Ça double les dégâts, mais si on le fait deux fois, ça le quadruple du coup. Non, par contre, il est chiant à esquiver là. Bon, il fait son malin, mais il est pas très dur. Hein.
Voilà. Ce sera pas si facile avec lui, comme il a dit. Ah, deux niveaux d'un coup, pas mal. Voilà, on gagne des bottes, les bottes de Soma. D'où tu partes sans mon jatte? Voilà, donc finalement on peut y aller, parce que lui il nous donne l'autorisation. Donc ouais, ça servait un peu à rien d'aller voir sa mère, mais bon, c'est pas grave. À part la tuer, bien sûr. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à aller à la montagne d'essence de Maul, là. C'est pas par là. Où est la sortie? Ah ouais, si, c'était par là. C'est plus rapide par le trou. C'est vrai qu'il y avait des marchands, mais je sais pas si... Ah oui. Faut pas que j'oublie non plus de... De mettre ça. Plus type vent. C'est pas mal ça. Ah mais lui il a rien. Ou alors je fais comme ça. Voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, il y avait le dirigeable. Bon là on peut... Voilà, on va se barrer. On va se barrer sinon la vidéo va durer 800 ans. Voilà. On arrive directement ici. On s'en fout. De toute façon c'est des ennemis en carton ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Le dirigeable. Ça, je m'y attendais pas que Kid engueule Dune. J'aurais plutôt cru que le sous-fifre c'était Kid. En fait, depuis le début, ils volent des trucs, mais ils savent pas pourquoi. Un peu n'importe quoi. Alors ça sert à rien, mais on va le faire quand même, parce que c'est fun. Voilà, voilà. Alors je peux pas trop vous faire une visite guidée, parce que je connais pas par cœur. Alors ça, on y est déjà allé, je le sais, avec le groupe de Sion. Ah oui, ça c'est les ruines où étaient les enfants là. On a changé de sauver les enfants. Je m'en rappelle pas trop mais... cette vidéo je la fais un peu après les autres donc je suis un peu largué. Là je sais pas où c'est. C'est le meilleur guide au monde, c'est... Alors ça c'est un truc noir, je sais pas trop ce que c'est. non mais ouais non. Ici on n'est jamais venu. Oh ça sert à rien. Hein. Là c'est pas moi qui prends les commandes hein, c'est... C'est juste un petit tour du monde inutile. Mais c'est marrant. Voilà, là à gauche on voit le Vade, le village de Sion. Et la tour des géants. Et ça c'est là d'où on vient.
Bon, ouais, on était pas très très loin de chez Sion. Oui, parce que je vous rappelle que le Saint Graal, quand on le bouscule, ça fait pleuvoir. Donc avant, ça faisait des pluies acides, vu que l'air était pollué, mais plus maintenant. Non, énergie, c'est le vêtement sain. Donc, en fait, ils veulent des trésors pour les donner après. Pas trop ce qu'ils foutent. Et du coup, je crois que le vêtement, on peut l'équiper. Yes. Alors, vous voyez que ça rigole pas. Ça donne une énorme défense. Et il y a que elle qui peut le mettre. Bon, je vais lui mettre alors. Ça me fait chier parce que ça défonce sa défense magique quand même. Mais bon, vu que c'est le Saint Habit, je vais le mettre. Parce que c'est le Saint Habit. Le Saint Habit. C'est le Saint Habit. Voilà. Donc on sort, il se barre, et on peut enfin aller à la montagne d'essence de Mo. Donc rien de spécial à faire ici. Tiens, on va tester nos dégâts un peu. D'accord. C'est moi, il fout toutes les attaques à côté. Ça leur fait pas grand chose. Hein. Assez classe ces monstres. Ça fait un peu vieux samouraï. Nuit à dos. Ah tiens. Qu'est-ce que c'est? Maison. Nuit à dos. Ah. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je pense que le jour est quand même assez long, donc on aura peut-être pas le temps de le faire en entier dans cette vidéo. On va essayer. Ah ouais, non, c'est mort. Ça va être vraiment mort. Ah merde, je regarde pas ma vie. Putain de Sonic de merde. Prends ça, Sega. Yes. Non, je suis pro Nintendo, moi. Je rigole pas. Non, je rigole. Tac. Megami. Ah, du coup, j'ai pas de nouvelle essence de mots à inscrire. Sac vert, voilà, bon, c'est pour lancer une magie. Pour lancer une magie verte. Ouais. Non, je dis nimp. Sac vert, c'est pour faire un sort de vent, je crois. Je sais plus. Non, c'est un peu bizarre les ennemis. Y a des ennemis très faibles comme ceux-là. Et d'autres assez forts. Putain, ils me donnent ça à chaque fois en plus. Ah, sympa là. Sympa, on voit le... Vous voyez, c'est assez linéaire. Hein. Donc voilà, la nuit tombe. Je sais plus où faut aller. Tout vers la gauche. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie en fait. Parce que je me disais, ils me font des dégâts de merde, mais finalement, vu la vie que j'ai, c'est pas si peu que ça en fait. Merde. C'est fait geler. Alors voilà, fallait absolument que j'en tue un pour limiter les dégâts un peu. Megami. On galère un peu quand même. Hein. Non.
Yes. C'est parce qu'en fait ils ont fait un sort de feu. Et faire un sort de feu ça annule le gel. C'est un peu con des fois. Voilà, et là bah ça annulait le feu. Du coup ça m'a pas gelé. Yes. Assez chiant ces ennemis. Putain mais en plus ils ont pas de vie quoi. J'aurais dû focus le... Voilà, bon ça se fait exprès. Hein. Voilà, tout ça pour un coffre. Un coffre génial d'ailleurs, vous allez voir. Voilà. Meilleur coffre au monde. Du coup, on va faire ça. On va brûler. Waouh, ça a l'air violent ça. Ah, pas mal. Hein. C'est assez chiant parce que Garly il a un fusil de type Yin. Et ça fait rien en fait. C'est assez chiant. Au pire, attendez. On peut faire soigner à lui. Vu qu'en plus il soigne en premier. Et qu'il fait aucun dégât. Voilà, parfait. Voilà, on a obtenu une haut horn. What? Faut aller prendre l'autre côté. Ça sert à rien cette merde. Bon, bah c'est pas grave. Bon là c'est sûr, le jour on le fera en deux vidéos. On va essayer de fuir. Yes. Pas trop envie de me tout retaper. Alors... Après ça va, c'est pas trop long. Merde. Là on fuit assez facilement. C'est cool, c'est cool. C'est vrai qu'il est beau le jeu, putain, pour de la Super Nintendo, c'est vraiment abusé, quoi. Bon, y a d'autres jeux aussi beaux, genre Donkey Kong Country est très beau aussi. Putain, elle est intelligente, elle. Trop bien les musiques de jeu, c'est un truc de fou. Je trouve qu'il n'y a aucune musique de merde dans le jeu en fait. Bon, des fois il y a des musiques, c'est juste des musiques d'ambiance à la con, mais. Voilà, salle d'entraînement d'accord. Alors par contre, par où faut aller après? Ah oui. Voilà.
Voilà, voilà la salle d'entraînement d'Aqua. Voilà, on peut obtenir ça, ce qui est assez sympa. Pure Wing. Petit Pyong. Je sais pas qui le mettre. On baisse de 1 sa vitesse. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ah oui. Entrons par ce trou. La grosse pioche. Merci. Ah ah. Donc là on va s'arrêter là parce qu'on est au monde des ombres. Et puis ça fait 20 minutes. Voilà. Donc on est à la moitié du jour 6, puisqu'on est à la nuit. Parce qu'à chaque fois, il faut faire le jour et la nuit en entier pour passer au jour suivant. Donc, du coup, bah, on se retrouve la prochaine pour la suite du Snorodrisa avec le jour, la nuit du jour 6 au 7. Allez, salut!